السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. فرنسي يتكلم عن الصراع الدبلوماسي بين الجزائر وسويسرا. تابعوا معنا هذا الفيديو. Un conflit diplomatique entre l'Algérie et la Suisse sur l'affaire du procès Khaled Nezar. Mes amis, je vous en ai parlé la semaine dernière et je vous avais dit que ça pouvait créer un conflit diplomatique. Eh bien, ça n'a pas raté. La Suisse essaye d'amener à un procès Khaled Nezar, l'ancien ministre de la Défense algérienne. Et cet homme-là, aujourd'hui, il vit en Algérie paisiblement. Pourquoi est-ce que la Suisse va le pourchasser? Alors, je vous rappelle le contexte. Cet homme-là était ministre de la Défense algérienne durant la décennie noire. Aujourd'hui, il a 85 ans et on le soupçonne d'avoir approuvé et coordonné les actes de torture durant la guerre civile algérienne contre les islamistes. Et mes amis suisses, en Algérie, il y a une justice, il y a un État, et c'est ce qu'a rappelé Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien. Il dit « L'indépendance de la justice ne justifie pas l'irresponsabilité qu'un système judiciaire quel qu'il soit s'arroge le droit absolu pour juger des politiques d'un État souverain et indépendant. L'Algérie est souveraine et indépendante. Si quelqu'un doit juger cet homme, c'est l'Algérie. » Et Ahmed Attaf a raison, c'est les limites de l'inadmissible. Pourquoi? Parce que la Suisse est en train d'offrir avec une certaine légèreté une tribune aux terroristes, à leurs alliés et à leur soutien pour tenter de discriminer et discréditer le combat honorable de notre pays contre le terrorisme. Ahmed Attaf a raison. Oui, j'ai bien dit notre pays, mais j'attends toujours le passeport.